Pour créer des salles de conférence, je vais utiliser Google Slides, mais je pourrais aussi utiliser Google Docs. J'ai repris le document fait par Greg Kulovich, qui est très clair. Et je vais donc utiliser différentes salles avec le nom des élèves en dessous, et je vais mettre un lien vers un Google Meet dans chaque salle. Pour cela, je vais créer des identifiants uniques. Une fois que j'ai créé ces identifiants, je vais dans ma Classroom, je vais dans les paramètres, dans le Google Meet, je fais une copie de l'adresse que je vais coller ici. Tout ce qui est après le dernier slash, je le supprime et je copie-colle cette adresse devant mes identifiants uniques, qui sont une suite aléatoire de chiffres et de lettres. J'ai ici donc maintenant des liens vers des salons Google Meet que je vais copier et intégrer avec la fonction insérer un lien où je souhaite que le lien apparaisse. Donc ça peut être sur l'icône, ça peut être aussi sur le nom de la salle. Insérer un lien, il est passé où il est là. Coller, appliquer. Donc là, le lien apparaît deux fois sur l'icône et sur la salle. Je fais cela, je vais copier-coller chaque lien en face de chaque salon. Voilà, une fois que j'ai mis les liens dans mes salles de conférence, je peux supprimer la diapositive numéro 2.